Depuis mercredi en fin de journée, l'épreuve des SVT, les sciences de la vie de la Terre, a suscité quelques inquiétudes chez certains candidats, mais aussi chez certains parents. Mais que s'est-il réellement passé? En effet, depuis quelques années, le Congo est à cheval entre deux approches pédagogiques, la PPO, la pédagogie par objectif, l'ancienne méthode, la PES, l'approche par situation, la nouvelle approche pédagogique. Deux approches ayant des nuances sur les programmes d'enseignement avec des implications dans le choix des sujets. Après la commission refonte et choix de sujets de cette année, nous avons pu sélectionner 40 sujets des sciences de la vie et de la terre. Et il s'avère que le dernier tirage au niveau de la DEC a porté sur un sujet qui se rapproche plus de la PPO, donc l'ancienne pédagogie, que de la PES, la nouvelle approche. Mais pour lui, il n'y a pas à s'alarmer. Après le passage de l'épreuve de SVT, du BPC, nous constatons qu'il y a environ 25 à 35% des réactions des candidats venant des grandes agglomérations. Nous avons mis une commission en place, des inspecteurs itinérants qui sont déjà en train de travailler. Je peux dire que toutes les mesures seront prises pour garantir l'égalité et l'équité de réussite à tous les candidats au BPC 2024. David Bouquet joue la carte de l'apaisement. J'appelle donc les candidats et les parents d'élèves au calme. La situation n'est pas alarmante. Les textes régissant l'organisation des examens d'État ont prévu les dispositifs en cas de ce type de désagrément. L'inspecteur général de l'enseignement a vanté la sérénité et la promptitude des chefs de centre dans la gestion de cette situation.